Et ça, presque c'est ça même, t'as vu même. Son nom t'a tué, m'a annulé pour moi. Vous gardez la parole. Vous voyez les mêmes de cap chanter que la rose. Les gens n'ont pas qu'à vivre sous terre. Ou pas qu'à vivre au Kikot, ou pas qu'à vivre en bas d'eau, ou Kikot, ou pas vivre là. J'en sais là. Où est ton côté pour les cailloux? Ou pas de manger pour manger, ou pas un côté pour dormir, ou pas qu'on merde pour faire un senti caca en pays. Sauf, sans au café. Ça pour foutre avec un caca pays comme ça. Vous gardez la parole. Ok. Peut-être que nous parler dans la vidéo. Moun kap kouri avec Timon. Même demande nous excuses là. Bon, c'est frustration par lui. C'est frustration là. L'a exprimé. Même si dit nous m'bouke. Mais moi qui paraît, nous sommes jeunes garçons. Nous sommes jeunes garçons. Ça veut dire, mon bouquet. Et lui-même, lui dit ou lui-même, on sait le petit téléphone lui gagne. On sait le petit téléphone lui gagne. Pour le parler avec petite à l'étranger, tu vois l'île. Et certainement, petite ça, capable c'est l'espoir que l'y gagne. Radio Omega. Presque son monde qui pas cache ton téléphone, dans un moment. Ou bien, s'il y a 1000 goudons, 2000 goudons, dans un moment. Est-ce son téléphone libre à l'acheter avec lui? Il ne peut pas qu'à jouer de manger dans le pays. Parce qu'effectivement, depuis des jours là, pour nous, à Rio, pour nous, il est fermé. Il n'y a pas qu'à l'ouvrir. Ou un gouvernement qui l'a. Ariel Henry à distance côté lié, c'est lui qui toujours a décidé, c'est lui qui a manœuvré tout ça qu'il a. Pendant un grand peuple qui rose à bois, pendant un grand peuple qui par contre qui bon priorité. Radio Omega. Un peuple qui par contre est-ce qu'il doit courir, est-ce qu'il doit camper. Li doit le fatiguer, li bouquer, li par contre ça pour le faire encore. Li par contre ça pour le faire encore. Moi même moi sou di nou là, moins fatigué dans ça n'a vivre là. Parce que l'y a normal pour lever dans le pays ou par quelqu'un l'autre côté ou capable aller. Un grand bagaille yo metin pour nous faire dans le pays. Lever sous quand je nous mange ou manger et puis c'est tout. Mais acteur yo nous continuer à défendre tête pa yo. Yo continuer à goumer pour camp pa yo. Mais non pas pour Haïti. Non pas pour Haïti. Parce que si Haïti était dans ça, dans route n'a fait là, si Haïti était là-dedans, on t'a prend pitié pour moun ça on m'a gardé là. Avant longtemps presque ou pral bagin gaz dans pays là. Radio Omega. Ou pral bagin gaz dans pays là. Pour le bagage gaz. Vous gardez la parole. Produit première nécessité yo même. Ça nous besoin yo. Et son monde continue dans tout ça qui l'a fait gestion de yo. Parce que situation pour le grave.
Et moi-même m'a demandé est-ce que n'a pas café un mois encore là. Est-ce que n'a pas capable faire un mois dans Samuel là. Dans Samuel là. Gain plusieurs solutions sous table là. Nous pas capable tenir compte de yo. Gain solution Guy Philippe. Et c'est de lui m'a parlé avant à soir. Boukante la parole. Nous prenons position ici à Boukante la parole. Radio Omega. En pile moun, toujours en tendance pour dire nous parrainer Guy Philippe ou bien nous raï Guy Philippe. Mais dans Boukante la parole, c'est le premier moun qui parlait de Guy Philippe. Importance Guy Philippe gagne là, je dis là. Devant un bon politicien, l'elfe écrivé, nous c'est premier moun là dans Boukante la parole. Qui parle avec des moun, qui parle avec des moun, qui ba opinion yo sur rivé Guy Philippe en dans pays. Et gen yon nan moun m'ap mwen parler avec un maître avocat. Mwen font émission avec là. Je dis à l'en CPA qui défend Guy Philippe. Nous te gardé dans Jérémy jodi a. Radio Omega. Jérémy gon mouvement qui fait. Est-ce que te gen en pile moun? On pa pral tenir compte de ça, mais ça que certain te gen en pile moun qui sorti dans Jérémy jodi la parole. Mouvement Jérémy a nous capable mettre le mouvement créé ici. Puisque Guy Philippe t'a annoncé mouvement levé campé dans tout pays a pour journée mardi 2 avril là, voice là là. Et il te dit faut qu'il installé. Fontamara te gen mouvement. Fontamara te gen mouvement. Boukante la parole. Mouvement maintenant pas prend. Bon, moi comprendre tout. Nous non contexte difficile. Radio Omega. Pas oublier. 6 7 février. 6 7 5 6 7 février t'es gagné en pile monde dans la rue malgré contexte gang qui gagne là mais t'es well t'es gagné en pile monde dans la rue Port-au-Prince t'es gagné en pile monde dans la rue Port-au-Prince Dieu a te marché. Et moi vle di a soir nan Boukante la parole, yon pa fò san l'autre. Dieu a te marché 5 6 7 février, Dieu a te marché. Yon pa fò san l'autre, Dieu a te marché. Mais jodi a nous d'accord mouvement yo pa respecté. Mais konnen a di nou gen bagay. Gen an pile moun l'ap animé émission Boukante la parole k'ap déposer pour ou en bas. Nan réaction, nan commentaire yo. Yo joué en pile. Et pas frère même aller très loin nan ça et abdi. Ça veut dire c'est sur Facebook n'a félicité, n'a supporté Guy Philippe là. C'est sur YouTube n'a félicité là. Et des téléphones nous n'a supporté là. Et des téléphones non. Oui, écoutez, li lance son mouvement, je dis à nous pas répondre li. Contexte la difficile, oui. Mais nous tout dit Guy Philippe, c'est solution idéale là. Si Guy Philippe c'est solution idéale là, je dis à, bon, pas de prince là, moun yo nan kouri. Ça veut dire moun yo toujours en mouvement, moun yo toujours en manifestation, moun yo nan kouri. Mais les villes de province, les villes de province, moun ki à l'étranger, nous te dois sensibiliser la kaino pour nous dire nous n'en combat là et choix par l'autre choix, c'est choix Guy Philippe l'allié, faut que nous prenions la rue pour nous faire revendication par nous passer. Pour nous faire revendication par nous passer. Mais nous ne pouvons pas répondre.
à l'appel d'IA. Sinon, que la caille seulement, Jérémy. Seulement, Jérémy. Je pas quoi péché là. Si me dis ça, je pas quoi méchant. C'est la caille, Jérémy. Mouvement prend pouvoir. Il pas prend pouvoir dans la manifestation. Parce que m'a observé en Afrique côté grand pouvoir plus souvent nèg yo manche zam yo yo prend palais en Afrique c'est avec zam yo prend pas yo prend pouvoir en Afrique c'est avec zam yo prend pouvoir mouvement sa yo c'est pas pep qui pral prend palais avec ou sinon que Sri Lanka yo t'envahi palais président Koui men gade en Guinée Conakry comment yo prend pouvoir nan men comment yo prend pouvoir nan men comment il s'appelle Alpha Condé comment m'a dit Doumbouya prend pouvoir nan men Alpha Condé bon certes l'été militaire, c'est l'été qui a dirigé l'armée guinéenne. C'est l'été qui a dirigé l'armée guinéenne. Vous cantez la parole? Nous voyons comment Clotaire prend le Gabon. Nous voyons comment Ibrahim Traoré, comment ça fait? Comment ça fait au Mali? Comment ça fait au Niger pour nous prendre pouvoir? Tout d'abord, il sensibiliser le peuple là. Yo sensibiliser population. Ou gardez au Niger, c'est moun yo qui fait résistance. C'est population qui fait résistance avec jet militaire là. Parce que la France pas de vle bay les gain. Nous c'est population Niger là calmeté di fait dans ambassade de France au Niger. Ou ka toujours prendre pouvoir avec peuple là oui. Ou sensibiliser peuple là d'abord ou faire éducation population d'abord pour montrer ça qu'a fait là c'est dans intérêt au lié on dit monsieur Azami ou veut prendre pouvoir on dit monsieur Azami ou veut prendre pouvoir baronné parce que dans l'équipe de dit monsieur gen zam nan mais déposer zami qui était peuple là manifester on nous veut prendre pouvoir là kidnapping continue à faire tirer a fait toute la semaine journée une population aux abois mais faut ils vont côté sympathiser même avec moun sa yo pour commencer faire confiance parce que ou pas qu'a mandé pour nous vivre ensemble ou pas qu'a mandé on nous faire barrer là ensemble et puis n'a kidnapper yo n'a courir derrière yo on nous voulait prendre pouvoir nous même dit OK bon me débloquer Canaran me débloquer Mon Gabriel me débloquer Artibonite moi débloquer Matissan faut nous sensibiliser moi voulais dire ça tout peut-être moun qui pas sorti aujourd'hui a yo ka pense c'est nan nas nap ton yo rive yo pas sorti ou bon même te doué on manif kap sorti soleil te doué on manif kap sorti soleil te doué on manif kap sorti Matissan. Mais t'es doué un gros manif d'Elma. Vous cantez la parole? Ça pas empêché Guy Philippe Jodia. Li doué. Bah, est-ce qu'il doit changer stratégie li? Parce que li nan élément solution kater là. Li se yon nan élément solution kater. Pouvoir kater là. Li se yon nan yo. Ou pas ka écarté Guy Philippe? Ou pas ka écarté non? Pas fait hypocrisie, me dit non, ou pas ka écarté Guy Philippe. Parce que discours yo li rejoindre nèg ki gen zam nan men yo. Est-ce que pas pour parler national baronin? Mais jusqu'à présent la police l'a résisté. Même là encore tout pouvoir prend pour leur besoin prend pouvoir avec les armes. Faut jouer au minimum négociation, oui. Est-ce que son stratégie tirée pour nous arriver au côté pour la police a dit bon, me faibli parce qu'on côté n'a privé, il y en a deux quand il a faibli quand même. Il y en a deux quand il a perdu dans le combat.
Est-ce que c'est la police qui a pris le fait pour nèg examen prend palais ou bien c'est nèg examen qui a pris obligé faire bac? Mais en attendant, on pas connaissance stratégie lié. Pas un ken pouvoir besoin pour avec examen ou pas un minimum planification. Pas un ken pouvoir ou envie prendre là. Faut qu'on planification. On doit garder pays en Afrique comme prend pouvoir. Tout nèg qui dans transition là, c'est avec examen prend pouvoir. Mais yo, tout est soit au commandant les jeunes militaires là ou du moins c'est eux-mêmes qui sécurisent le président. C'est eux qui sécurisent le président. Ça veut dire nous voulons pas parler comme si nous avons la Vladimir par raison. Et c'est une stratégie, pas connait non. Parce que nous sommes en matière politique. Nous devons faire tentative n'a tirer cargo côté rivé nous faiblit. Parce que l'on va analyser, faut aller loin. Casse stratégie à ça même, capable sous stratégie. Parce que côté n'a pas capable pas encore. Vous quand la parole pour pouvoir pas parler RLB, faut pas la RLB mon cher. Parce que jodi a c'est lui qui gagne commande la police là. On veut pas ou pas parler avec et Jodel le sage. Mais c'est eux qui dirigent la mer jodi a. Faut qu'on bon planification. Faut nous parler avec les qui responsables. Mais m'a dit encore Guy Philippe lycée un élément solution yo. La cour de cassation nous va regarder dans pile monde qui qui croit virage là du fait dans niveau la cour de cassation yo croit c'est solution idéale là la cour de cassation yo croit c'est solution idéale en pile monde croit la cour de cassation c'est solution idéale là dans l'intervalle CPA l'a traîné. CPA traîné. Est-ce qu'il y a une évolution pendant la journée hein? S'il te gagne, moi tap connais. C'est le sam capable de dire nous, moi connais hier soir, bien tard, à Théo, 9 moun qui pral composer CPA, yo chita parlé. Ok? 9 moun ki pral fè CPA yo toujou rechita pale pou defini akò politik la avèk moun ki voye ou bien avèk dirijan politik yo yo chita pale. Men vreman fòn gòn solisyon, vreman fòn fòn bagay pou Ayiti. Vreman fòn fòn bagay pou Ayiti, la fòn fòn bagay pou Ayiti. Paske ou gon pays bouqué, ou gon pays m'baronné, m'vraiment baronné. Nous bouqué. Mais v'lais prêter voix pam à tout moun k'ap souffri journée jodi a. À tout moun k'ap souffri journée jodi a. Et moi sou di nou tout à l'heure, continuez faire solidarité yon ak lot. Continuez yon ap veye sou lot. Parce que situation grave. Longtemps on te gen doit di, c'est l'on rentre ou ok. Mais jodi a, ça pas même exister non? Chaque zone nan Port-au-Prince, bon portail oui kounya. Chaque quartier nan Port-au-Prince, bon portail oui. Depuis le fait 6h, 7h du soir, moun yo ferme zone yo. Moun yo oblige à faire brigade, yo pas dormi. Moun yo veye zone yo. Chaque côté au passé jodi a. Moun yo met ton portail. Moun yo mette des bouts de sac. Bon, comme moun pa mache la nuit encore. Mais ça m'en vive jodi a dans la ria. Nous te gen droit si te gen moun la nuit k'ap marcher la nuit en pile accident a fait parce que quand on rive c'est pantan ou pantan sous barricade yo mete a et pantan ou pantan sous barricade là. On veut adresser ma soeur à Guy Philippe à CPA. Moi veut adresser ma
la Cour de cassation pas opiné li. Et juge la Cour pas gagne pour ba opinion pas autour. Parce que n'importe décision qu'a prend là faut moun ça li aller devant la Cour de cassation. Vous avez la parole. La Cour de cassation pas opiné, li pas gagne pour la position li, c'est des moun qui t'a remé nous aller là. C'est des moun qui veulent c'est là nous ka nous doit aller, c'est solution idéale là. Mais quand même, ben m'garder trois entités ça. Solution c'est nan men, solution pays a nan men nous trois li là. Et nan men li là. On fait un fond commun pour nous sauver Haïti. Ça nous a sauvé. Vous avez payé tout business fermé là-dedans. Tout business fermé. Qui est gros, qui est petit. Vous avez payé depuis 4h de l'après-midi. Ou pas, vous avez dans la rue. Tout le monde a cherché route la caille. Mais mettez-vous de côté. Nous connaissons Haïti. Nous connaissons nous voulons belle voix Haïti. D'ailleurs, son bon haïtien. Si je regarde Samuel Madistin qui a porté coup de cassation en 2015, vous avez formé groupe de 8 avec Jovenel avec Moïse Jean-Charles. Jean-Henri Séan. Hein? Récemment, là, Guy Philippe t'a fait avec Moïse Jean-Charles. Guy Philippe t'a fait avec Moïse Jean-Charles récemment là. En dans Montana, il y a des gens qui Philippe connaît. Parce qu'en 2004, ils étaient dans la rue ensemble pour te voir Jean-Bertrand Alexis d'aller. Vous comprenez? Et pouvoir qu'a fait Codre de là tout. Guy Philippe, il y a des gens qui sont bien avec pouvoir. Hein? Coup de cassation, il y a des gens qui sont bien avec pouvoir. Moun conseil de transition, il y a des gens qui sont bien avec pouvoir. Soit nous faisons route ensemble. Soit nous faisons route politique ensemble, soit nous, ou bien, ou bon ménage dans le pouvoir, femme ou bien garçon. Parce que nous prenons pile, vrai, je ne pense à Haïti, puis là, nous prenons pile. Je ne pense à Haïti, puis là, nous prenons pile, vraiment. Nous rencontrons quand même, depuis nous actifs, nous rencontrons un côté quand même. Radio Omega. Depuis nous actifs, nous rencontrons un côté quand même. Parce que nous prenons pile, mon Jean-Pé, je ne pense à. Haïti pan, son plamé Haïti. Mais situation grave. L'air li grave. Nécessité pour nous faire coup d'à-coup de là. Nécessité pour nous retirer Haïti là. Nécessité pour nous faire coup d'à-coup de là. Nécessité pour nous dire pays a pour nous lier, nous pas quitter le disparaître. D'ailleurs pour nous même gab goumé là. On ben mon gab rentrer dans la genouille. Nous font bonne vie maladie. Nous font bonne vie maladie. N'a pas rentré dans gros l'âge, nous malade. Mais nous besoin côté si une malade là pour nous courir aller peut-être nous gagne aller au médecin privé dans ville là. Mais s'il mande une intervention, faut qu'on déplacer. Hein? S'il mande une intervention pour déplacer. Ah, mais chez nous, d'accord, ou un pays, magasin fermé, petit commerce, gros commerce, l'hôpital fermé, prison pas existé, commissariat pas existé. Pas rien qui a fonctionné dans le pays. Mais qu'on y a, faut nous arriver à côté pour nous dire, faut nous faire coup d'accord là. Et c'est pour la première fois à Haïti qui vient dans Faza, ou pas senti, à telle société civile là, à telle classe politique là. A fait colloque ou pas senti secteur privé impliqué dans ça là ou pas senti secteur privé impliqué dans ça là ou pas senti impliqué dans ça là ou pas qu'une position yo dans ça là est-ce que yo pour Guy Philippe est-ce que dans CP bon c'est vrai ou pas dit bon yo gen représentant dans CP mais secteur privé son bah est divisé en Haïti. Il y a tout pareil réalité à même gens. Est-ce que dans cassation,
Est-ce que vous êtes en CP? Est-ce que vous êtes en Guy Philippe? L'économie pays est en main nous lié. C'est vrai, dans ce sac là, nous connaissons plus de sanctions. L'assassinat de Jovenel Moïse, il y a des gens qui dérangent, il y a plus de sanctions, il y a des gens qui davantage gardent silencieux. Je garde silencieux. Récemment, il y a des gens qui étaient fâchés avec moi. Il y a des gens qui n'étaient pas contents, qui étaient écrits moi. Mais moi-même, je suis victime pour la vérité. Moi-même, je dis la vérité. Au-delà de tout ça, je reproche l'idée de Jovenel Moïse comme quoi l'Italie m'est trempée. La justice, pas encore, je me dis rien de lui. Et m'a dit non, bagaille. Reginald Boulos. Je dis ça récemment. Reginald Boulos. Docteur Reginald Boulos. Tape là. Nous tapons un minimum de solutions. Nous tapons un bagay. Nous tapons un li. Nous tapons un bagay. Ne voulez pas avec nous. Comme ça, soir. L'émission. Boukante la parole. Mwen faibli, mwen bité, mais m'pa tombé. M'a toujours là avec nous. M'a toujours là avec nous. Pour porter l'émission boukante la parole. OK, m'a toujours là. M'a fait pile effort pour me toujours là avec nous dans l'émission boukante la parole. M'a devle garder premier partie émission comme ça avec nous jodi a. M'a le fonti parler avec un diplomate qui très présent dans dernier jour ça yo dans en pile média en dans pays a. Moi pour parler avec diplomate et moi parler avec Pierre Antoine Louis sous ensemble des propositions qui gain là sous table là. C'est avec moi pour parler dans émission Boukanti la parole la soir. Nous pourrons parler avec lui à soir dans l'émission Boukanti la parole. Nous pourrons passer un bon petit temps ensemble pour nous garder qui ça de fait. Et nous pourrons garder toutes les trois propositions qui y a terre là. La proposition de monde qui voulait. Ça arrive que les monde qui pas exprimé yo qui croit Guy Philippe c'est choix idéal pas eux. Que des monde qui croit c'est dans cassation pour nous aller. Et il y a des gens qui croient CPA, c'est un choix. On va parler avec diplomate Pierre Antoine Louis dans l'émission Boukanti la parole à soir. Monsieur Louis, bonsoir. Merci parce que vous êtes disponible pour nous. Je suis content de faire parler ça avec vous à soir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, on a parlé avec Pierre Antoine Louis, diplomate, sous ensemble des propositions qui sous table là pour regarder et compréhension li et comment on est capable de sortir. Pierre Antoine Louis, bonsoir. Bonsoir, frère. C'est avec plaisir m'a écouté où je suis parce que je ne suis pas vraiment connaître qu'elle existait. Je trouve que je suis abdi là, quand tout haïtien pour bon, moi. Moi choqué, moi ébahi, moi stupéfait. Meurtri dans l'âme que compatriotes ont souffert comme ça, nous pas en guerre contre aucun pays, mais nous quittons contradiction interne dans la société, fait nous aujourd'hui avec la mauvaise façon de faire la politique. Et nous avons un abysse, nous ne pouvons pas nous sortir, Vous gardez la parole? Eh bien justement, c'est ça nous va laisser garder là avec vous, spécialiste en relation international, sous ensemble des propositions qui sont sous table là. Bakone, souvle dit des mots sous sac passé et dimanche 24 et puis jeudi à un nouveau président au Sénégal. Connexion pas trop bien. Alors, on essaie faire l'autre contact et pour nous capable parler avec Pierre Antoine Louis qui c'est spécialiste en relations internationales pour regarder la réalité et nous gain là avec professeur Louis dans l'émission Boukanti et la parole à soir. Espérer
pour nous passer. Oui, là n'a pas essayé garder réalité à nous t'a essayé prendre par l'autre moyen parce que communication OK, oui, c'est vraiment très bien là. Alors moi t'a demandé où comment t'es pas où sous élection ou bien investir nouveau président Sénégal là. Bon, Sénégal c'est un pays qui a une stabilité, on dit une stabilité relative parce que bon, effectivement, vous gardez la parole. Il y a une difficulté économique, bien que comparé à Haïti, ça a marché, on dit nettement mieux. Donc de temps en temps, il y a des petits problèmes de stabilité. Par exemple, l'actuel président, il s'est tenu en prison jusqu'à 11 jours avant les élections. Oui. Je suis avec un confrère lui, Andy, et je s'est protégé à M. Sonko qui était en prison ensemble avec elle. Donc de temps en temps, on a des petits problèmes, nous, mais si nous avons un problème au Sénégal, ici en Haïti, mon cher, on tape bien. Mm-hmm. Parce que depuis 220 ans, mon cher, voilà, on a évolué. D'ailleurs, le Sénégal a construit une nouvelle capitale, Damnadio. Le Sénégal fait un bel aéroport qui fait construire un flambant neuf moderne. Donc, Sénégal jouit d'une stabilité relative. Bon, le président d'après l'ambassade, il ne voulait pas faire l'élection. Effectivement, bon, par la force des choses, avec un pouvoir judiciaire, un joint président pour lui faire l'élection, pour lui quitter le pouvoir, là, pour le quitter. Mm-hmm. Donc, bon, c'est bien, et moi, le nouveau président, lui a fait recadrer. Politique étrangère pays li, parce que je pense estimer que relations avec la France, ce sont des relations que l'estimé qui pas adulte et que qui pas respecte la souveraineté du Sénégal. Pour moi-même, penser que c'est d'extrêmement bon ton maintenant. Vu que pays de Saline, ouais, pays Pétion, pays Christophe là, nous prenons comme figure, et puis nous préconisons. Qui n'ont pas accepté l'Aubert, on a parlé de corps, groupe des amis d'Haïti, pays par contre, mes amis. Radio Omega. Parce que ça va passer au Sénégal, là, malgré des difficultés, c'est extrêmement positif. Oui, alors, et Haïti, c'est extrêmement bonne position, sinon, tu as un leadership relativement jeune qui prend le pays en main et qui mette nous son rail de développement. Mm-hmm. Ça t'a bon. Mm-hmm. Ou regardez Ousmane Sonko, où il fait prison ensemble, et c'est lui déjà lui nommé comme premier ministre. Qui est-ce qui est nommé comme premier ministre? Ousmane Sonko. Allô? Oui, c'est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Ah, ok, oui, bon, ok. Bon, dans ce cas, attendez, ça va marcher bien, mais oui. C'est vraiment positif. Son jeune garçon qui fougue tout, bon, il était un petit problème juridique. Bon, moi, j'espérais que Sénégal continue vers cette marche. Et d'ailleurs, Sénégal avec Haïti, il y a un parallèle dans l'histoire pays qui sortit dans le milieu intellectuel là. Bon, le président, au conseil de la Sénégal, premier président, donc on t'a parlé de. On t'a expliqué population et parcours présidentiel sénégal. Depuis la présidence de Senghor, qui volontairement quitté le pouvoir là, et Sénégal, et bon, Senghor avec notre jean présidence nationale, et puis avec Aimé Césaire. Ce sont les pères fondateurs de l'Union actuelle. Donc, Sénégal a peut-être des Haïtiens, de mon amour, nous enseignants qui passaient par l'île de Gorée, qui était Yunnan, côté port andine, que l'Empire français a utilisé pour faire trafic d'esclaves entre l'Afrique. Et notamment l'ancienne colonie de Saint-Domingue, qui s'est précurseur de la République d'Haïti. Donc, au moins au niveau intellectuel, nous avons ça en commun. Mmh. Et d'ailleurs, le Sénégal a un contingent de forces, de unités de police constituées. Ça a eu les SWAT là. Et ici, pendant le ministère, d'ailleurs, il y a un qui était posté au Caï.
Radio Omega. Il était basé au CAI, donc Sénégal. Et il était fait pour tes contributions pendant le ministère. Et Sénégal, maintenant, tout dégât qui était fait, donc son pays frère, qui peut-être a fait un parcours, qui était capable de montrer nous une façon, enfin, qui j'en ai qu'à ordonner, ce n'était pas nous, bien que le contexte soit extrêmement différent. Son pays a majorité musulmane. Nous-mêmes, nous avons majorité chrétienne, mais ce sont des frères africains. Et nous saluons les Sénégalais et nous espérons que Boumbaga n'a pas fait. Nous savons faire qui va inspirer des jeunes dans le pays par moi, qui va prendre la relève pour retirer nous dans la classe politique visqueuse et chrétienne, incompétente. On dit j'en même pas pris de souvler, qui mène nous côté mieux là, je vous dis. Seulement, m'a souhaité nous expliquer la question de madame Nanto. Oui, bon, alors. Oui, on est pays là et vous faites, oui. Oui, au Sénégal, le monde marié, ou bien pour du moment, le moment où elle marie, on choisit polygamie. Et assez souvent. Bon, par contre, dans la zone où il y a sous-positionné ou bien, mais après l'eau, on l'autre façon plutôt au lieu de faire col direct là. Ça pensez? Bon, il faut un petit bouger pour nous voir si ça a marché. Mais là, ça me bave les bonnes opinions, je recevo très bien là. Ah, parfait. Oui. Non. Malheureusement, l'autre coin, la chambre nomme Chita. Donc, oui. Si vous entendez bien, et auditrice, vous entendez bien, c'est mieux. Oui, d'accord. Ou d'abord, au Sénégal, l'on va le marier. Oui, l'on va le marier au Sénégal. Ou choisir polygamie ou bien monogamie. En principe, vous êtes supposé respecter parce que madame le mari avant, en comprenant que vous allez respecter le choix offert. Maintenant, les Haïtiens vous reconnaissent que la religion musulmane, pas un garçon, mais pas fille, autorité, vous avez la parole. Bien droit, si vous voulez voir le constat. Vous avez jusqu'à 4 épouses. Mais, bonne façon pour ça fait. Vous comprenez, nous parlons du marché pour un monde. Prenez mon mari avec là, il y a un droit pour le connaître et pour l'approuver, mon mari avec là après. Et puis chaque madame successive, il y a un droit approuver l'autre là. Donc au Sénégal, c'est parfaitement légal. Donc il est difficile pour ici, peut-être pour comprendre que on est bien deux premières dames. Mais bon, comme on connaît, ça ne va pas nécessairement approuver l'adultère. On a dit que dans le monde qui, bon, fonctionnellement, qui deux jours est adultère, vous comprenez qu'il y a plusieurs madames, donc il y a un officieux. Vous comprenez que madame n'est plus grande, madame à côté, mais au Sénégal, de façon légale pour sa fête. Et actuel président, je ne connaissais pas, donc monsieur, c'est comme ça, monsieur. Mais est-ce que ça valable pour mesdames au Sénégal, yo ka gen plusieurs maris tout? Non. On va au Sénégal et ça c'est déjà ça. OK. Non, Sénégalais. En général, non, Africains, yo très protecteur de l'indépendance et puis yo très protecteur de chasteté madame yo. Vous comprenez? Non. Il va aller dans l'autre sens. Non. Alors, pas seulement en Afrique, pas seulement au Sénégal, peut-être. Je ne suis pas au Sénégal, mais c'est une lacune qui vient. Je passe en plus en Afrique d'ailleurs. Je travaille en Afrique pour l'ONU pendant presque 10 à 11 ans, mais je ne suis pas au Sénégal, malheureusement. D'après, c'est fait tirer à l'essai, et pour nous regarder, et vous dire, ou souhaiter ça fait au Sénégal là. Li capable servir nous de boussole et pour nous bailler pays nous en l'autre direction. En rentre... Excusez-moi, nous allons laisser vous l'autre direct là parce que nous n'avons pas tout de même. Entendez ou même pas qu'à distinguer ce qu'on dit. À nous faire, on utilise l'autre moyen. On utilise l'autre moyen, on met garde le téléphone. Ok. D'accord. Bon, là, on a essayé de parler là avec Pierre-Antoine, lui, et spécialiste en relations internationales. On souhaite moi passer très rapidement. Oui, mais c'est là on pense pour regarder ça avec lui. Là, on va regarder possibilité ça avec. Oui, là où c'est vraiment là? Nettement.
nettement mieux. Eh bien, on va regarder là. On rentre la caille nous. Pays a moins saute décrit li, nous non crise depuis après assassinat Jovenel Moïse. On dit quand même dit depuis existence Jovenel Moïse comme président de la République, arrivé Ariel Henry dans tête pouvoir, situation pour aller venir empirer dans main nous et jodi a Ariel Henry voyager, moi quoi c'était 29 février 25 ou bien 29 février depuis les salles pas tourner. Ça veut dire nous presque un mois et demi depuis Ariel rete de au pays a aéroport nous fermé pour nous pas fonctionner censé toute activité en dans pays a pas fonctionner et Pierre Antoine Louis. Mais je dis a gagne pile proposition sous table là. Gagne CP qui c'est conseil présidentiel, gagne Guy Philippe de, depuis sorti dans prison qui rentré là qui fait un pile vie rond dans pays a et un pile moun kwè dans la diaspora yo kwè Guy Philippe c'est peut-être solution idéale là pendant CP a lui-même li a construit en pile moun t'es capable dit CP a presque fini gagne l'autre groupe qui vini yo dit l'autre solution hein faut nous rester pile pour constitution hein faut que nous aller dans cassation. On garde trois options qui sont table là aujourd'hui là on garde au premier pas près. Tout d'abord on a regardé la question de Guy Philippe avec vous. Bon, la question de Guy Philippe, Guy Philippe vini sous scène là, le 30 novembre, il est retourné sur les États-Unis. Mm-hmm. Après, il était fin basé 6 ans et demi en prison. Côté, il était recevant peine de 9 ans, 9 fois 12, 108 mois d'emprisonnement. Mm-hmm. Parce qu'il était plaidé coupable de blanchiment d'argent. Issu du trafic de stupéfiants. Bon, c'est pas moi qui a dit, tout le monde calme sur Internet, il y a poil. Donc, puisque si il était quitté pour ses affaires, et puis aujourd'hui, coupable, il a pu gérer une plus grande peine, il est d'accord pour le plaider coupable, pour reconnaître les faits. Parmi les faits que je reconnais, c'est que reconnaître, selon ça, et le département de justice des États-Unis d'Amérique dit, d'avoir reçu entre 1 500 000 et 3 500 000 dollars issus du trafic de stupéfiants. Maintenant, bon, il a passé 6 ans et demi en prison et puis il est retourné dans le pays. Et puis, bon, il est retourné, il vient de le pays dans la situation actuelle côté de là. Bon, c'est au monde qui, il y a 20 ans, qui en charge d'une rébellion qui menait jusqu'à capoter président Jean-Bertrand Aristide du pouvoir. Mm-hmm. Et un diplomate américain qui dit numéro 2 ambassade là en ce moment-là, M. Moreno, qui était chargé de mission adjoint, c'est-à-dire l'adjoint à l'ambassadeur des États-Unis, M. dit le Guy Philippe Vigny pour la rentrée dans le palais, c'est lui-même qui dit Guy Philippe, non, pas capable. Mm-hmm. Parce que les troupes américaines qui étaient déjà sur le terrain. Bon. Bref, 20 ans plus tard, c'est comme quoi Haïti n'a jamais changé, nous avons toujours progressé, devant en arrière, on part en avant. Bon, voilà, nous sommes dans ça, nous là aujourd'hui. Maintenant, bon, écoutez mon frère, tous les citoyens, toutes les citoyennes ont le droit de participer dans les affaires politiques de leur pays. Ok, donc tout Haïtien doit participer dans la politique pays, il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, la difficulté qui gagne, c'est que, c'est quand le monde, le Guy Philippe tournait, on commence un mouvement qui était pensé que Guy Philippe, au fait, n'a pas pour ton solution à problème sécurité. C'est-à-dire, problème sécurité, solution, son solution qui prend de coup à moyen terme dans la mesure où c'est pas sécurité. Dans tête PAM, c'est pas sécurité le problème, non. Dans tête PAM, c'est l'effondrement du système politique avec ses ramifications économiques et sociales qui menait à violence que nous vivons là. Donc, violence là, c'est conséquence ou bagaille, c'est pas violence là qui causait effondrement. Donc, et à crise nous vivons là, il y a des gens qui pensaient que au moins, pour l'assiègement, on dit des corridors sud-sud-ouest, nord, est et ouest de la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y a des gens qui pensaient que Philippe n'a pas le porté une solution. Maintenant, Jean-Marie Lavigne paraît là, semble que Guy Philippe rangeait un peu plus du côté de revendications
que on sait des monde qui gagne zame qui formé on bagaille yo relé à vivre ensemble et bien que moi lui demander que mon permettre peuple là manifester et pour yo sinon déposer les armes mais ben on met levé pour nous sommes capables de vaquer à l'occupation. Donc, il y a une certaine ambiguïté dans la position de Guy Philippe. Il y a une partie petite de Saline qui, dans le moment que tu as formé, ça a eu le conseil présidentiel là, qui est assemblé, il a fait une alliance avec Guy Philippe. Quand il a mis dans un triumvirat, qui a gagné, ça a été trois mouns, qui a gagné un juge de la Cour de cassation, et puis Guy Philippe avec un autre moun. Moi, parti petit de Saline, vient faire un revirement en dit spectaculaire. Donc, mon aspect international n'a pas gagné la tour, dans la mesure où Guy Philippe sorti, j'en nous dis là, dans la prison aux États-Unis. Donc, au regard du poids de la communauté internationale, spécifiquement les États-Unis d'Amérique, pas que l'autre bagarre nous a dit, c'est s'allier en Haïti, et Mounsao, président en pile sur ce qu'a fait dans le pays. Là. Mais dans ces situations en janvier là aujourd'hui, moins plus quoi que au regard des difficultés que monsieur Guy Philippe te gagne avec la loi bon nous reconnaît que la justice haïtienne pour le moment pas reproché rien, il pas jugé coupable ni il pas jugé en Haïti une peine affective et infamante. Donc nous pas connaît qui ça a venir la porter pour Guy Philippe, mais c'est un monde qui jodi à la revendiquer une certaine notoriété politique et il croit que bon c'est pas moi qui dit, c'est lui même qui dit que le ta doué un monde que on considérer pour la parole nationale, mais moi même quand analyse m'a regardé moi ça tape extrêmement difficile parce que on avec un tel passé à la tête de l'État, comme chef d'État, t'as posé un grave problème pour la communauté internationale en Haïti et pas seulement les États-Unis. Donc, vous voulez dire là, tout le monde fait là, professeur Pierre-Antoine, lui, on Guy Philippe, dans tête pays, l'international là, pas bien où elle est. Bon, ça tape extrêmement difficile. Je pense que Guy Philippe, qui, encore une fois, son citoyen, quand moi-même avant, qui ne va pas participer dans l'affaire pays, mais pour le moment, au regard de la complexité de la situation, hein, je pense que, et peut-être, il a bien indiqué, si M. Guémoun l'a conseillé, si M. garde la situation, hein, que M. est capable, peut-être, d'observer beaucoup plus, garder comment Bagayo a développé et elle t'a dû évaluer est-ce que nécessaire au moment de la transition pour nous sinon qu'à alléger souffrance population hein, sinon stopper au nous arriver nos dispositions côté gagner une formule qui permette toute haïtien revendication y compris compatriotes nous qui prennent les armes t'a gagner une formule de justice transitionnelle qui permette nous jouons une façon pour nous traiter question ça parce que c'est ce qui est extrêmement important et pas big apes pour nous battre au menti comme quoi vous pensez vous pas une solution militaire policière ou bien encore vous pas tout le monde ça pour rentrer dans une guerre civile fait couper fait. Donc je pense que citoyen qui aime un pays certes n'est pas capable de juger lui par rapport à l'amour pour le pays tu dois évaluer est-ce que le moment opportun pour le fond forcing, dans les conditions actuelles, est-ce que vous avez bon pour lui, est-ce que vous avez bon pour Haïti? Ça reste à voir. Mais Welly, depuis qu'il fait une déclaration et qui paraît n'est qu'il y a des âmes dans le monde, que les citoyens ou même, et ouais, Mounsao, ils sont intéressés à parler national, et c'est comme si tu es capable de dire, ils sont sermentés par tous les moyens, il faut qu'ils rentrent dans le palais. Allô? Mon cher, oui, allô? Non, vous êtes dans le vous entendez-vous? Oui, mais attendez, vous m'êtes avancé. Allô? Oui, vous m'êtes avancé, Ok, ok. Bon, en fait, oui.
Monsieur Valé 5. Il me dit que elle fait pour des dans ce village, vous savez, et qui fait le pays, lui, des avenues, n'est-ce pas, de citoyenneté. Donc, vous comprenez, c'est dans ce sens samedi. Donc, lui jouit de politique, lui, c'est un pays, lui, où tu as changé le sol des États-Unis. Pas décider pour un boulot. Passons le pays à développer à l'état stade à l'état à si vous couvrez la plénitude de sa souveraineté. Parce que pendant moi, on n'a pas la voilà, on est d'accord que si CARICOM a facilité un dénouement politique, c'est parce que nous avons un problème de confiance. Nous avons toutes sortes de problèmes pour nous mettre nous d'accord, mettre deux haïtiens ensemble, difficile bureau d'accord. Donc nous avons des problèmes. Mm-hmm. Et que dans ce moment-là, vous comprenez pas la politique pays, même qu'a dit que lui-même libre évaluation pour le faire, est-ce que moment opportun au regard de complexité situation là, vous comprenez pour lui peut-être garder. Est-ce que le fond du la parole toujours et s'il travaille le système politique là en chasse, malgré tout l'obéi que vous faites dans le pays, à me reconnaître, pour nous être capable d'avancer, et quitte à ce que les élections pour l'organiser, et puis selon les règles qui existaient, lui-même lui parle garder est-ce que le Dakar candidat. Donc c'est le Dakar dit. Mais pendant la voilà, comme la justice haïtienne va reprocher monsieur en rien, bon, je ne suis pas capable de dire que le Pataka participe dans l'affaire politique pays. Alors, ou sous dit à l'air, on Guy Philippe n'a pas le national, l'international là capable très mal ou elle, mais pour qui ça, ou encourage elle pour participer dans l'élection plutôt? Non, bon, en fait, c'est pas que m'encourage. Non, alors, moi, m'a dit, alors, ok, bon, m'encourage, m'a dit, m'dou l'autre bagaille. Si vous demandez mon opinion, ouais, alors, sinon, si m'a pas fait ça, donc, ou pas de raison pour inviter m'là, ouais, puis ça va bien sens pour les gros auditeurs. Regardez, lui, au regard du fait que citoyen lui-même, li participé dans une procédure juridique, bien que bon, après le vraiment gagné le choix, il vient là, il prend, il transfère, c'est pas une extradition, parce que bagage ça aussi, il vient, il prend mon nom, il livre le bas blanc, au niveau juridique, il bagage ça, parce que extradition, bon façon, le fait, ça a fait en Haïti, les bons citoyens haïtiens, il vient déclarer le bas blanc, sans que le papa c'est devant un juge qui vous garde qui ça reproche. Est-ce que l'éoport, est-ce que bon d'ailleurs, est-ce que vous traitez de ça? Nous comprenons là, on a fait mission dans un contexte extrêmement difficile puisque il faut créer. Vous cantez la parole. On est capable de parler avec Pierre-Antoine Louis, il y a une question de signal et côté il y a une question de communication sous-les-lits comme ça on a pu utiliser tout moyen possible pour nous capable de parler parce qu'il faut regarder question conseil et transition CPA conseil présidentiel là et nous devons regarder avec les tout nous devons regarder avec les tout et pour monde qui opté c'est dans cassation non. C'est extrêmement difficile je veux dire là. Oui bon on est CPA oui. Et tout bagarre est en bas. Exactement, même temps d'eau bien. Alors, m'a dit que pour moi-même, il y a un haïtien qui va gagner avec M. Philippe, mais qui prenait un sens de moralité dans la politique, un sens de moralité dans les affaires publiques, qui est capable justement de questionner que un monde qui a un type de difficulté, ça est capable de vivre au sommet de l'État. Et vous, ça aussi, vous avez pensé ça. C'est de plein droit que vous avez posé cette question. Est-ce que ça parle pas de faire d'Haïti un pays que vous regardez comme suspect vu
les faits que ont reproché les citoyens et que lui-même dit admettre nos procédures aux États-Unis. C'est ça que je veux dire. L'on dit pas être suspect, qui sont les dire? Pas être un petit peu plus clair, non? Bon, on l'a dit. Au moins, on est plein de coupables de blanchiment d'argent pour trafic de stupéfiants. Dès lors qu'on arrive à la tête du pays, où tu as gouverné le pays, ça t'a posé un pile à pile problème pour le pays. Mais tu as le pays sous supervision, dans son système bancaire, il y a des chefs d'État étrangers qui t'ont refusé de l'État vers eux, et il y a des forums internationaux où aller. Il a pour se voir mal, il a extrêmement maladroit. J'en connais une diplomatie faite à travers le monde. Mais la situation est extrêmement difficile. Les gars ont poussé et ont coupé ses choix par eux, puisqu'ils parlaient d'amnistie. Comment utiliser des groupes ça, yo? Les m'dit des groupes qui ont des amis et Guy Philippe. Comment utiliser? Comment aborder la question ça? Puisque la situation est grave. Bon, c'est extrêmement grave et moi pense que ça va remonter. Moi comprendre tout citoyen qui a souffert dans le chair, ok? Bon, pas subi ça, tout le monde subit, mais moi là dans le pays, moi je vis dans le pays, moi. Waouh, c'est extrêmement difficile la situation. Et je vous ai dit là, dans l'introduction, dans l'analyse, je pourrais pas tirer mission, moi je sentais toutes sortes de sentiments. Moi bouqué. Je suis fatigué, je suis en liberté pour mal dans le sud, parce que mon homme c'est mon torbet, et mon homme c'est mon miracle, mon homme c'est mon torbet. C'est les Pétionville, moi, je suis de Pétionville, de l'école de l'institution chrétienne, de l'école de lycée François Duvalier de Pétionville. Donc, moi, j'ai senti tout ça qu'a fait là, dans cher moi, problème de sécurité, président qui a assassiné dans la Kamani, et tout l'objet qu'a fait là, moi, comprendre que des citoyens qui ont des revendications, des problèmes d'exclusion économique et sociale dans le pays, je comprends ça. Et le système politique n'a pas jamais fait ça pour le faire depuis presque les 200 ans d'indépendance du pays, sauf de quelques rares instances, par exemple la présidence d'Antoine Simon, la présidence de Jean-Marcel Estimé, la présidence de Paul Eugène Magloire, pour des dignités initiatives et d'infrastructures qui sont dans le pays, à donner toutes les infrastructures dans le pays, c'est le bailliage de Pénible, qui a commencé sous président Estimé, Nec Verrette, la Thibonite, Nec Trois. Les sérieux qui était organisé l'exposition universelle, qui était bâti centenaire, qui était le joyau du pays, de la Caraïbe, Malécon, la République dominicaine n'a pas qu'à paraître, Malécon, Havana n'a pas qu'à paraître de sa bicentenaire, nous avons un assiette de comme ça. Bon, de mer, c'était spectaculaire, c'était un bagaille, c'était une fontaine lumineuse, c'était vraiment, ouais, les lumières les soirs, et puis on jouait musique classique, c'est extraordinaire. Haïti, c'était le pays phare du tourisme jusqu'au dans les années 80. Le Dominicain aussi est jaloux de regarder Haïti dans le domaine ça. Donc maintenant, nous quittons le pays à craser. Non, mais nous avons un problème de politique commerciale et industrielle, comment attirer des investissements étrangers. Bon, après du Valais finalé, après moi le déluge, et pas de tout encore, et stabilité relative la crasée, l'immense ça, généralement fitérer les bamboches démocratiques, côté que des présidents montés, des babes de polar, les présidents qui prennent deux coups d'état, on ne peut pas prendre sous ça parce que nous avons aussi une balle de solutions. Donc, il y a de nouveau dit à nos situations, côté, comme nous ne pouvons pas créer emploi, comme nous ne pouvons pas jeunir aux opportunités, comme tous les regards de ce pays sont tournés vers l'extérieur, tout qu'on a cherché GTO, tout qu'on a cherché un bout de visa, programme Biden, qui dessine le pays, qui prend pratiquement tout le monde qui est allé dans le pays depuis janvier 2023, on a fait 220 à 150 000 personnes qui pour la plupart classement qui était PIA, donc il y a un problème d'exclusion, ou que la mauvaise façon de faire la politique. Quand les gars font politique, nous avons eu dans des bases. Nous mettons des âmes dans un paquet de jeunes garçons. Et nous n'avons pas contre les âmes, nous n'avons pas contre l'ammunition. On peut les sorti pour la plupart, presque 100% des États-Unis, soit directement du sud de la Floride, vous voyez pas des Haïtiens dans des colis, boum, tout bagaille, qui sorti et dans le port de Miami, port de Verglès, ou encore dans la rivière de Miami, où on a voué Doum, Sacra, Lopez, ou Tiltentin, et puis l'autre dame encore qui a passé à la frontière avec la République dominicaine est un peu moindre. Et le canal entre Haïti et la Jamaïque. Donc, nous avons une mobile jeune garçon qui est dans le même
et yo pas gagne l'autre opportunité on t'a utilisé dans la politique qu'on a regardé ouais situation extrêmement détériorée au niveau économique et social nous utiliser les amis pour imposer yo. Bon maintenant c'est dire que les élites intellectuelles économiques et politiques ça nous pas excuser le fait que une société donnée qui commet crime parce que c'est l'État qui suppose que le monopole de la violence est légitime. Là où prend les armes pour violer la loi, c'est pour la République, le système judiciaire, pas tolérer l'impunité pour le poursuivre. De même tout, nous avons cravate qui a fait l'objet d'un pays qui a volé et qui n'a pas le mal, ils ont utilisé des machines officielles pour faire toutes sortes de trafics, pour piller l'État. Ils ont crasé et bah, l'État a interféré dans la justice, interféré dans le pouvoir judiciaire. Ils ont fait contrebande à la frontière, tout le bagage ça. Donc, c'est comme ça que le pays a été crasé. Donc, nous ne pouvons pas prétendre que nous allons chercher des solutions multinationales d'appui à la sécurité pour nous comprendre que nous pensons que nous allons trouver tout le monde ça. Bon, nous pensons que il est vrai que bon paquet qui s'est fait. Il n'est pas normal pour nous bouler l'hôpital, pour bouler sa distribution de médicaments, pour bouler l'école, l'université, pour pharmacie à bouler, nous avons bouler, caïmalé à bouler, édifice l'État à bouler. Bagay ça n'est pas normal. Bagay revendication pour nous dans la société pour faire ça. Personne n'a accepté ça. Cependant, il y a une conversation qui vous fait dans le pays qui gens. Question ça après le traité. Maintenant, moi-même, technicien, moi qu'on est, diplomate technicien, qui passait en affaire de autour de 11 ans comme ça dans le système des Nations Unies, y compris dans la mission de maintien de la paix au Kosovo, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire, moi qu'on est que mon formule qui est les démobilisations, désarmement et réintégration DDR qui existait dans que la communauté internationale la reconnaître, qui permettent. L'un pays en proie à ce genre de criminalité, ou encore à une rébellion, ou encore une guerre civile, s'il en est le cas, et une formule qui permette, nous dire instruction, pour déposer les armes. Puis, nous voici, qui sont en train de déposer les armes, pour faire des crimes, pour dire une formule de justice. Transitionnelle, côté capable de commission vérité et réconciliation, côté de l'Afrique du Sud, côté mon reconnaître les crimes qui commettent dans la partie, mon nomini, les témoignages, les reconnaître crimes qui commettent. Donc, Haïti, pas pour copier la donne, ce sont des choses qui existent, des situations qui existent et de l'autre côté dans le monde. Mais de là à parler comme si d'amnistie, comme si de rien n'était, et puis en même temps, ça ne peut pas déposer des dislocations sociales, puisque 300 000 monde déplacés, pour bien en faire de plus que 5 000 monde, autour de 5 000 monde qui ont dit qu'ils mourraient l'année passée. Alors ça, c'est monde, comme si vous avez monde qui a compté, vous avez encore monde, vous avez apporté monde au bruit. Mais il y a monde qui mourit parce que vous n'êtes pas à l'hôpital, et mortalité infantile déjà très élevée en Haïti, mortalité et de maman, monde ne l'a pas couché, femme ne l'a pas couché. Mourir en plein Haïti, c'est côté sa pire élevé dans les Caraïbes là et un pays sa pire élevé dans l'hémisphère là, dans les Amériques. Donc par quel autre monde qui mourit, que personne ne connaît, ou capable de dire, ou c'est des dégâts sur les collatéraux de enfer ça qui n'a vivre dans le pays là. Donc, si on a parlé d'amnistie, il faut parler tout de. Et ou bien encore, on va parler de réprimer la criminalité. Criminalité, là, c'est pas mon qui dit ça, nous faisons. Il y a des mecs guidés dans l'État, qui est de mener nous continuer la joie dans la mauvaise façon de faire la politique. Puis d'abord, bon pour Haïti, pour bien une formule qui permet de nous dire des amis, expliquer qui est-ce qui patron, qui est-ce qui démarre aux amis, qui est-ce qui dévend, qui politicien qui démarre au fou, qui ça. Et que c'est pas mon ça seulement, sans que je m'excuse excuser mauvaise conduite, ou bon, je suis républicain. Dans le sens que, moi, je crois que dans la République, le peuple souverain, il bat le monde à gouverner au mandat à travers leur vote pour diriger l'État. Et que toute force asymétrique, tout le monde qui campait en face de l'État, qui part dans les forces armées, qui part dans la police, il est en situation illicite, illégitime, illégale,
Mounsayo, l'État a un droit, selon le droit international, selon le droit interne haïtien, pour l'État poursuivre. Mais ce n'est pas Mounsayo seulement le problème, c'est aussi commanditaire. Moi, je reconnais que le groupe Sayo est de plus en plus autonome parce qu'il a kidnappé Mounsayo Fekob, il a détourné les containers Fekob, il a extorqué l'argent de Mounsayo Fekob. Mais il est bon pour une formule de justice transitionnelle, de vérité et de réconciliation qui permettent de nous connaître qui est-ce qui peut initier Mounsayo dans le problème. Non. Parce que ce n'est pas normal pour nous penser qu'on va jouer toute génération Sayo et puis Mounsayo qui peut initier dans l'objet là, et puis ça passe comme une lettre à la poste. Donc, selon cette formule, qui c'est une politique publique qui était à fabriquer, qui a permis nous de nous porter de sortie qui est pour gérer. Et problème de groupe moun qui vient d'âme. Et puis bon, on dit, bon, l'autre façon de faire tout. Le président Nayib Bukele, à El Salvador, bon, façon le faire. Monsieur Tessé, ils font travail avec Gangio. Ça va marcher. Et puis bon, week-end, côté négocié, on a fait de 79 moun en 72 heures. Le président Bukele décidé, assez, monsieur des forces armées dans le même, monsieur des polices dans le même, qui a été performant. J'ai arrêté 75 000 jeunes garçons. Il fait prison le météo. Il y a un monde dans la communauté internationale qui a parlé en pile, ou bien radoté, soulevé les États-Unis, l'Union européenne, ils se sont occupés. D'ailleurs, dans les Amériques, nous sommes héros dans tout le pays pour être bien crime. Donc ça, c'est l'autre approche. Donc, tout le bagage à haut, tu as supposé débattre. Donc, moi-même, je suis technicien, je parle de comment ça a été fait. Mais, il y a des situations qui sont réelles en Haïti, il y a une réalité haïtienne. Que nous devons garder, c'est pas toute solution sociale à l'étranger qui va l'adapter en Haïti. Donc nous avons une situation particulière, nous, façon nous devons garder le problème, non, qui garder toutes les dimensions, problème d'exclusion, et problème de mauvaise façon de faire la politique qui met des âmes dans le monde, si pas une situation, pas un volet. Donc on ne peut pas prétendre que vous allez venir avec une mission multinationale à la sécurité, comme quoi vous allez tuer tout le monde au bout. Même comme les internationales là, pas rentrer dans le visa. Donc on forme le pour nous adresser la question ça. En tout cas, n'abgé pour nous parler et sous question la police avec la mer parce que Nayib Bukele ou point comme exemple là, moi vle quoi la Kaili une confiance totale qui établit ni dans la police là ni dans la mer que je dis à que ne pas gagner dans la police nationale d'Haïti. Nous avons problème de commandement, problème de moyens matériels et humains, problème d'intéressement. Et la police et les forces armées d'Haïti existent à vous cantez la parole. Donc pas rien de cap dirigeant en Haïti, donc malgré bonne volonté Boudio, bon, voilà, situation salière. Donc les 6 millions et demi de Salvadoriens gagnent mon cap dirigeant et Nayib Bukele son leader qui fait preuve lui, au moins on va même deux briques au deuxième mandat l'IFEL, le peuple a pu bénéficier de la plus de 83%. Donc nous bien loin de situation ça, absolument. À nous rentrer dans l'autre proposition qui est sous table là, nous font bon petit parler sous ça, nous font bon râler sous ça, et il y a des explications bas, moi quoi, il y a des échanges qu'a fait avec nous là, il y a des monde qui satisfait des réponses yo, comme ça tout gagne pile goy et Pierre Antoine lui, c'est ça qui nous passe. Ce qui pas dérangé. Le CP qui a pas avancé et puis Brit Soukou nous tendait bon parole cassation parler. Bon, regardez, bon me dit d'abord que moi c'est un homme qui était sceptique, l'homme quoi c'était peut-être groupe de Montana qui pouvait venir avec l'idée que n'est pas normal pour son seul monde qui veut voir le chef de gouvernement et puis de facto chef de l'État parce que toutes les institutions, les deux institutions politiques de l'État à genoux ou bien dysfonctionnelles si vous voulez, n'a pas parlé de la présidence. Y compris, enfin, du pouvoir exécutif, y compris dans, enfin, bon, dans sa façon bicéphale, la présidence et la primature, et encore le pouvoir législatif, dans son sens bicaméral, la Chambre de députés et le Sénat. Donc, moi, plus de Chambre ça, ou même la Cour de cassation de gain juge qui m'entend, donc, qui fait que, dans une décision pas capable, parce que la Constitution n'a pas de prévoir, une situation côté comptable d'île là et de façon extrêmement habile. Et depuis 2016, nous avons fait élection. Si c'est 8 ans, c'est extrêmement difficile et dommageable pour un pays. Pour exister dans une situation de vide institutionnel, ça, et qui est déconduit, et bien que ce n'est pas ça seulement comme facteur,
avec vague de violence que nous gagnons là, qui fait que nous avons posé des questions, donc questions d'amnistie, ainsi de suite. Voilà. Donc, moi, je suis sceptique par rapport à le conseil présidentiel. Là, d'ailleurs, je ne pas trop maintenant jusqu'où il y a, parce que on est capable de créer un organisme qui gagne les attributions qui jouit, ou bien qui encore, oui, qui jouit des attributions, doté des attributions présidentielles, sans qu'on parle au conseil présidentiel, parce que nous, en Haïti, notre conception du président, c'est un chef suprême, le premier des citoyens, et qui, dans l'imaginaire collectif, qui décide comme bon lui semble, c'est comme quoi le pas même un personnage constitutionnel, c'est un personnage d'ailleurs légendaire et mythique, qui a des attributions à la fois de bon Dieu et puis de premier citoyen sur terre. Donc notre conception épistémologie, sociologie, anthropologie haïtienne, fait que l'on crée une institution et vous créez, vous mettez dans cette union que vous avez 7 personnes qui vont exercer les pouvoirs présidentiels, vous comprenez, ça qui sonne mal dans tête. Moi, j'ai pris un petit papier pour moi, si je vais orienter des baillots, et puis je me suis pensé, comme j'ai eu un précédent sur le Conseil national du gouvernement CNG, que Jean-Claude Denis est en place, le d'après quitter Haïti, et il était gagné là-dedans 4 militaires et 2 civils, dont Gérard Goug. Et puis quelques jours plus tard, Babala a parlé de KT, pour que Gérard Goug avec l'autre civil a démissionné. Il y a 2 militaires qui démissionnaient. Après ça, il a remplacé les gens 2 autres mounes. Et le conseil a démissionné avec 4 mounes, il durait 2 ans. Et puis Gérard Goug a démissionné un coup d'État, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, il y a un président au CNG, ça a marché mal, il y a un problème, mais il y a un précédent. Maintenant, comme une constitution, hein, pas applicable, il ne peut pas prévoir que tu as bien vu ça, que tu as une bonne situation quand tu ne pas faire l'élection depuis tout le temps. Et il y a un amendement constitutionnel, quel que soit Jean Mounvlin, Jean Mounvlin, version créole, pas adopté, ainsi de suite, mais dernière élection a été faite sous l'égide de la Constitution, que tout le monde qui avait l'élection était d'accord que c'était Constitution, j'en ai amendé. L'amendement au fait en 2011, il a retiré l'article 149, la Cour de cassation dans la succession présidentielle. Donc, bravo, l'autre citoyen, ok, secteur qui forme le conseil présidentiel là. Nous sommes capables de chita, constitution inapte, qui n'est pas applicable en l'État. Et puis, nous voulons une formule pour nous ordonner l'État. Nous avons fait ça. Mais ça n'est pas qu'à faire. Nous ne sommes pas capables de demander un juge de cassation qui jurait pour respecter la constitution. Et pour lui-même, pour dire, mon cher, je dis au président, qu'il soit d'une faire. Constitution pas de lui. Ça veut dire, premièrement, qui c'est le pouvoir judiciaire dans la politique. Deuxièmement, qui demande un juge pour violer la loi. Un juge là dans la Cour de cassation a une seule boussole. La constitution et les lois qui en découlent. Donc, le juge à lui-même n'est pas capable, au même titre que des politiciens qui constituent un conseil. Je ne l'ai pas qu'à lui-même, à le fou et qu'il y a un bagaille, qu'on est d'accord pour mettre le président d'une façon qui pas répondre à la Constitution, parce que le juge, le premier devoir, c'est respecter et d'appliquer la Constitution carrément à la lettre. Maintenant, le Conseil présidentiel, comme nous voyons, il boite parce que il y a des groupes qui sont nommés, bon, un groupe qui est nommé 3 mounes. Bon, pas dit que nommé 3 mounes. Tout le monde a reçu un monde hier, il y a trois acteurs qui m'ont 21 décembre qui contestaient ça, qui ont l'aide pour aller dans l'autre sens. Coup de cassation. Il y a une association militaire, il y a l'autre monde, il y a, bon, M. Rébu, supposé dans le collectif qui voyait un représentant dans le conseil là, on a même ça dit, coup de cassation. Maintenant, citoyens qui ont dit coup de cassation,
qui sont des citoyens, donc moi, m'avoir, moi, comprendre, yo. Moi, comprendre que je mets en tête, yo, que le conseil n'a pas marché. Donc, je prends la voie de la moindre résistance dans tête, yo, qui paraît plus facile, d'autant plus que, avant 2011, le recours à la Cour de cassation, qui marché. Notamment, l'État Pascal Trouillot, qui n'est pour tout le monde bon, hein. Et grand soeur Eta Pascal Touyo était marié avec grand frère papa. Mm-hmm. Ok? Qui relait, et grand soeur Yvette Pascal était marié avec tonton qui relait Pierre-Antoine Louis. Mm-hmm. Donc c'est affinité mien avec Eta Pascal Touyo qui était pour un bon travail. Et puis Boniface Alexandre qui était sorti tout dans le cours de cassation. Maintenant, sauf que, entre temps, la bagaille a changé. Il y a un amendement en 2011. Yo. Et moi-même, moi j'ai tendance à croire que. Ouais, bon, pas ouais, c'est typique. Je ne pas toujours penser que tout le monde veut tricher, tout le monde veut voler, rien n'est pas possible. Au fait, je suis disciple de Montesquieu et moi accepter que pouvoir, le pouvoir avec le pouvoir. Et que, je suis pas surpris pour le que autant que le conseil n'a pas été boiteux, pour le mettre en place. Dans 9 jours, à bon mois depuis, il y a fait ses formels. Radio Omega. Je pensais qu'une fois, nous prenons vitesse de croisière, lui, comme nous sommes issus de formations différentes, vous cantez la parole. Il n'y a pas de possibilité pour nous imposer. Cependant, moi, je crois que ce sont erreur pour nous persister dans la voie de nommer au président du conseil présidentiel. Peut-être qui ça? Lors de mon président, mon primus inter pares, son expression latine qui signifie premier parmi les égaux. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des prérogatives que l'autre n'a pas gagné. Or, que bon façon capable de gérer ça. La façon est la suivante. Pour qu'à faire une présidence tournante, il y a 7 personnes qui ont droit de vote. Pour capable de faire une rotation côté chaque 2 mois. Chaque jour, il y a une opportunité pour coordonner, madame, je préférerais dire, conseil là. Parce que ce n'est pas mon mieux qui a le pouvoir là. C'est conseil là dans son ensemble qui a le pouvoir là. Et puis, mon mieux a agi au nom du conseil. Donc, l'un ou mon chef d'État, il y a gagné sa relais ou représentation. Par exemple, le 19 arrivé là, il faut gagner un homme qui prononce le discours de circonstance. Oui. Donc, nous, ça, qui président, là, pour nous, c'est discuter de circonstances, pour bagner ce discours. Oui. À l'occasion des circonstances. Nous, ça, le, par exemple. Vous cantez la parole? Désigné des États-Unis, Denis, c'est Hankins. La présenter le bas Mounsa, elle va qu'à présenter le bas 7 mounes, elle va pris Haïti. Mais, on n'a pas besoin, à un grand citoyen, ou dit le président du conseil présidentiel. Mais comment ça doit faire, Pierre-Antoine, lui, parce que nous allons finir? Comment ça doit faire dans le CPA? Puis c'est 7 mounes, l'autre deux papes qui ont pouvoir. C'est 9, mais il y a 2 papes qui ont pouvoir. C'est 7 libres alliés. Voilà. Comment il doit faire? Pardon? Comment ça doit faire? Puisqu'on dit, il n'y a pas de désigner qui a un titre président, mais 7 mounes dans le conseil là, comment ça doit faire? Oui, alors. Maintenant, deux mouns qui observateurs, yo là, y'a observé comment ça a fait, donc y'a pas du droit de vote, y'a pas qu'à prétendre non plus pour être capable de coordonner le conseil là. Yo là pour suivre les procédures, si on va qui passe à bureau, dit oups, oh là. Vous comprenez? Et là encore, c'est la première bagarre qui vous fait, on dit ça. Faut qu'on ait un accord politique qui prévoit. Conseil présidentiel là. Et qui a travaillé sur l'accord politique là, selon l'information que vient de me là. L'accord politique a travaillé sur lui là et presque fini avec l'accord politique là. Exactement. Il y a aussi un accord politique là. L'accord politique là prévoit un conseil présidentiel qui va nommer un premier ministre, qui va former un gouvernement de conseil avec le conseil, avec le conseil, même bref, un conseil d'État ou encore un conseil de transition. Et question de retirer notre tête pour que nous sommes la président. Ouais, en Haïti, on ne peut pas appeler ça. Ouais, c'est ça qu'il faut vraiment que tu as ironisé. 7 cortèges, 7 cabinets, ainsi de suite. Façon pour retirer le bagage, ça, c'est pour mettre en tête pour nous comprendre. Je suis membre du conseil, c'est le conseil
qui dispose des attributions présidentielles et pas les membres. C'est comme si vous voulez dire, Pierre-Antoine, lui, il n'est pas président, mais on regarde qui fête nationale, qui pipe nous là. Bon, ok, on dit 7 avril, là, peut-être passé. Le plus prochain, c'est. Nous sommes capables de dire 7 avril, c'est l'an mort Toussaint, le monde qui a pas le déposé, je fais là. Même pas quoi, là, on a installé, mais c'est 18 mai. On dit plutôt, 1er mai, c'est la fête agriculture. 1er mai, fête du travail, c'est l'agriculture et du travail. Ministre agriculture, bien. Ministre Affaires sociales là qui a fait ça, ben 18 mai. Donc entre 7 membres, il a choisi un nom qui a porté discours officiel 18 mai. C'est ça vous voulez dire? Bon, oui, alors moi pensais que pour moi-même, il a pris sage si on choisit un coordonnateur du conseil présidentiel. Et puis, on fait un président tournant. Ouais, le Conseil de sécurité des Nations Unies qui dit que. Le palais président tournant, ça veut dire chaque il est? Ça veut dire chaque mois, en fait, 2 mois. Ok? Là où. Transition qui dure en 18 et 24 mois, nous, chaque a bien opportunité pour le président, pour le. Excusez-moi, pour le. Ouais. Pour coordonnateur. Pour coordonner le conseil là, pendant 2 mois, de façon 14. Et puis, il y a 2 encore pour le faire pour le 16e jusqu'à 16e et 18 mois. Et puis, sous 24, il y a presque, chaque a presque gain 2 tours pour coordonner le conseil là. Donc, ouais, le Conseil de sécurité des Nations Unies fonctionne comme ça. Peut-être pour ça. Parce que vous avez 15 pays même, tous les 15 pays souverains. Nonobstant le fait que vous avez 5 États qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, et pays situés de façon totalement égale dans la souveraineté. Chaque mois, il y a un membre du conseil là, par ordre alphabétique, qui jouait le rôle de président du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, pas aucune raison pour ça, pas qu'à fonctionner en Haïti. Donc, vous même vous optez, c'est CPA, c'est choix. CPA, c'est choix idéal là, c'est là pour le pays à lui aller pour nous sortir de la crise que nous là, puis Antoine, pour nous être capable de finir. Mon cher dit pas le choix idéal, ok, mais t'as pas l'honnête si me dit ça, parce que pas d'avouer que c'est un géant pays. Cependant, Haïti, pas la Suisse, mais il y a l'autre pays côté sa fête. En Suisse, gagné un conseil fédéral de 7 membres qui a géré la Suisse. Un conseil fédéral de 7 membres qui a géré la Suisse, parce que ça fait ça. La Suisse est un pays qui a 4 langues officielles. Et il y a 3 communautés, italophone, anglophone et romanche, qui ont relé et française. Donc il y a 3 groupes linguistiques, il y a 7 régions ou départements, donc il y a 7 membres au conseil présidentiel, et chaque qui ont un portfolio que y a géré dans le conseil là, et ils ont géré la confédération helvétique qui c'est la Suisse. Donc, nous pas Suisse, nous pas même monde, non. Nous pas jouis de la même culture politique. Mais une façon de dire que ça existe dans le monde-là, bon façon ça qu'a fait. Nous pas besoin de compliquer la gala davantage. Donc, nous pensons que l'accord politique là, tout est signé, il mettait en place son conseil. Ensuite, le conseil là, t'as qu'à prêter serment devant la Cour de cassation. Et puis, le conseil là, t'as capable adopter les règlements intérieurs jusqu'à maintenant, pendant même avant, on a parlé à conseil à exister, sont idéaliers. Ils vont en réalité. Parce que merci en pile, nous t'es content de parler avec vous. Pierre-Antoine Louis Fondou, il a travaillé sur l'accord politique là. Bon, on attend qu'on y a, c'est vraiment nous apprendre un peu de tractation. Mais c'est normal, nous sommes en matière politique qui a fait un niveau et tirer ce pouvoir qui lui-même est là. C'est un plaisir de parler avec nous. Espérons n'a parlé encore.